je ne sais pas pourquoi, ce mouvement des Gilets jaunes, qui perdure maintenant depuis quelques semaines, tout à coup, on aboutit, inévitablement, l'entonnoir se resserre, et on arrive à quoi? On arrive aux Juifs. Voilà, on ne parle que d'eux. On ne parle que de ça, leurs revendications, ce qu'ils sont devenus, pourquoi ce mouvement a été happé, récupéré par les politiques, récupéré par les extrêmes. Leur vraie revendication, c'est-à-dire ceux qui au départ n'avaient jamais manifesté, les gens simples, qui avaient simplement marre de cette pression fiscale, simplement marre de ne pas pouvoir finir leur fin de mois. Entre autres, parce qu'il y avait d'autres revendications. C'est un mouvement institutionnel, hein, presque, beaucoup plus que vous intéressez contractuel. Visiblement, quoi. Ouais. Bien sûr, ça m'intéressait. Comment voulez-vous être insensible à ça? C'est normal. Moi, je fais partie des privilégiés. Je ne veux pas reprendre le discours de l'autre bouffon là, qui a été une fois pour les Gilets jaunes et puis toujours après contre. Vous voyez à qui je veux faire allusion. Franck Dubosc. Voilà, par exemple.